vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement apprendre à calculer son intervalle d'ovulation lorsqu'on a un cycle menstruel irrégulier. Je reprends, calculer son intervalle d'ovulation lorsqu'on a un cycle menstruel irrégulier. En fait, lorsqu'on a une femme à un cycle menstruel irrégulier, elle ne peut pas déterminer son jour, on va dire son jour exact d'ovulation. Elle ne peut pas déterminer son jour exact d'ovulation. Tout ce qu'elle peut faire, c'est déterminer, on va dire comme ça, son intervalle, un intervalle d'ovulation. Un intervalle, en fait, ça veut dire quoi? Par exemple, vous voyez, du 10 au 20, vous voyez, du 10 au 20, on appelle ça un intervalle, vous voyez. C'est peut-être le 10 qu'elle aura son ovulation, peut-être le 11, peut-être le 12, peut-être le 13, peut-être le 14, peut-être le 15, peut-être le 16, peut-être le 17, peut-être le 18, peut-être le 19, peut-être le 20. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un intervalle. Alors, on va expliquer tout ça. Bon, ce qui est d'abord très important, il faut s'assurer que le cycle, votre cycle par exemple, il est irrégulier, qu'il n'est pas dû à une maladie. Voilà, qu'il n'est pas dû à une maladie. L'irrégularité en fait de votre cycle, le fait qu'il soit irrégulier, il faut s'assurer qu'il ne soit pas dû à une pathologie, une maladie. Donc en fait, il faut d'abord consulter. Dès que vous remarquez que vous avez un cycle irrégulier, par exemple ce mois, le cycle, le cycle a duré 24 jours, le mois suivant, vous remarquez qu'il a duré 30 jours, il faut d'abord consulter. C'est la première chose à faire. Voilà, première chose à faire, vous consultez. Vous allez voir un médecin. Soit un généraliste, soit un spécialiste, en plus précisément dit un gynéco. Voilà, donc c'est lui qui pourra vous dire si l'irrégularité de votre cycle est due à une maladie ou tout simplement maintenant, c'est normal, c'est nature, c'est votre cycle. Une fois ceci fait, donc vous avez consulté, on va dire comme ça, un médecin. Le médecin vous a assurer, rassurer que ben non, vous n'êtes pas malade, et ben que c'est votre cycle qui est irrégulier. Que vous avez un cycle irrégulier. Maintenant, vous pouvez appliquer soit les conseils, bien sûr, que le gynéco va vous donner, ou bien vous appliquez les petits conseils que je vais vous donner. Donc, je suppose que vous avez déjà fait ça, vous êtes allé voir le doc, le gynéco, et puis bon, vous savez que maintenant vous avez un cycle irrégulier. Voilà, très bien. Donc, dans un cycle, on va dire comme ça, irrégulier, il y a parfois, il peut durer, on peut dire comme ça, je sais pas trop, 25 jours. La prochaine fois, les règles n'apparaissent pas du tout. Et puis, encore peut-être dans 2 ou 3 mois, ça apparaît. Vous voyez, donc, c'est ça un peu l'irrégulier. Et puis, parfois, ça peut durer 36 jours. Et puis, ça peut durer un autre. En fait, on n'a pas des jours exacts. Alors, comment fait-on? Comment fait-on? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez comment je vais dire ça, soit un calendrier, ou bien vous prenez un cahier et vous notez. Vous notez, regardez, en janvier, vous notez chaque fois la durée, comment on va dire, de vos règles, on va dire ça comme ça, la période, bien voilà, le cycle. Vous notez. Je vais le faire au tableau. Supposons. Ça, c'est le mois de janvier. Ça, c'est le 1er janvier au 31 janvier. J'ai pris le mois de janvier. Vous avez eu vos règles, le 5, le 4, ici. N'est-ce pas? Le 4. Et puis, bon, voilà, les jours passent et ainsi de suite. La prochaine fois que les règles vont vous... Ah ben tiens, les règles apparaissent encore la prochaine fois, le 31. Vous voyez? Les règles apparaissent aujourd'hui, le 4. Vous savez comment ça se passe, je n'entre pas dans les détails. Voilà, après les règles vont finir, n'est-ce pas? Ça va finir. Et bien maintenant, juste... Et la prochaine fois que vous voyez encore vos règles,
Ça fait, c'est le 31 janvier. Donc, vous comptez les jours. Vous comptez les jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous comptez tout ça jusqu'au 30. Et vous notez. Vous notez. Supposons, en janvier, vous avez trouvé 24 jours. Vous avez trouvé 24 jours. Alors maintenant, en février, vous avez trouvé 28 jours. 28 jours. Mais en fait, ça ne veut pas dire que, par exemple, ça ne veut pas dire que le mois de janvier dure 24 jours. Non, c'est pas ce que ça signifie. Le mois de janvier, c'est 31 jours. Voilà. Maintenant, en mars, vous avez trouvé 39 jours. Donc, en fait, cette année de mars jusqu'en avril. Voilà, je mets juste les dates comme ça pour vous permettre de vous repérer, c'est tout. Je mets les mois, autant pour moi, je mets les mois pour vous permettre de vous repérer. Donc, en mars, c'est allé jusqu'en avril. C'est allé jusqu'en avril. Donc, vous avez compté 39 jours. Et bien maintenant, en avril, puis vous avez compté 28 jours. En mai, vous avez compté 36 jours aussi. Eh bien, en janvier, en juin, autant pour moi, vous avez compté 35 jours. Et cela s'est étendu sur un autre mois, sur le mois suivant. Voilà. Et puis, en juillet, vous avez compté 25 jours maintenant. Eh bien, en août, vous comptez, on va dire, 33 jours. Eh bien, en septembre, vous comptez 31 jours. Et puis, en octobre, vous comptez 27 jours. Alors, Il vaut mieux le faire sur 8 mois, voilà, pour en être vraiment certaine, pour en être sûre, il vaut mieux le faire sur 8 mois. Jean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, là j'en ai mis 10, là j'ai mis 10 mois, voilà, mais bon, vous pouvez le faire sur 8 mois, voilà, 8 mois, ça marchera aussi, je pense, voilà, donc ici j'en ai mis 10. J'en ai mis 10. Alors maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous relevez, on peut dire, la période la plus longue et la période la plus courte. La période la plus longue et la période la plus courte. Alors, je regarde, j'ai 27, j'ai 31. Donc, c'est 24 jours. Voilà, j'ai 24 jours. Je peux déjà noter ça ici, 24. Voilà, je relève, on va dire, la période la plus longue, 28, 39, c'est 39 jours. 39 jours, eh bien, je note. Maintenant, ces deux dates, ces deux périodes, ces deux nombres de jours que vous avez retenus, vous faites une soustraction, vous faites moins 14, c'est comme ça, donc vous faites moins 14. Donc, ici, je fais moins 14, ici je fais moins 14, je calcule, 24 moins 14, ça fait 10, 39 moins 14, ça fait 25, voilà, vous avez trouvé 10 et vous avez trouvé, eh ben, 25. Maintenant, je vais effacer ici. Je vais trouver 10 et 25. C'est votre intervalle. 10 et 25. Donc, c'est sur cette période-là, sur cet intervalle, qu'interviendra votre jour, on peut dire comme ça, d'ovulation. Ça va du dixième jour, au 25e jour. Voilà. Ça va du 10e jour au 25e jour. Donc, vous comptez le 10. Vous prenez en compte le 10e jour. Vous prenez en compte le 25e jour. Donc, le 10e jour, le 11e jour, le 12e jour, le 13e jour, le 14e jour, jusqu'au 25e jour. Alors, maintenant, regardez comment je vais appliquer ça sur. Nous sommes maintenant en janvier, n'est-ce pas? Nous sommes en janvier et vous, eh ben, les règles apparaissent le 3. Nous sommes ici le 3. Voilà,
Nous sommes là, et bien le 3. Donc là maintenant, c'est le 10e jour après les règles. Vous voyez, le 10e jour après l'apparition des règles. Maintenant, comment vous allez faire pour déterminer? Donc, regardez, les règles apparaissent le 3. Vous voyez, maintenant vous comptez. Puisque vous avez déjà fait ça, ce calcul, vous avez trouvé votre intervalle. Vous savez que votre période de fécondité, c'est entre le 10e jour et le 25e jour. Ben, vous le savez maintenant. Chaque fois que vous voyez vos règles, vous appliquez ce calcul, c'est tout. Regardez, je vois les règles, eh ben, le 3. Le 3 janvier, n'est-ce pas? Donc, c'est le premier jour. Donc, ça, c'est le premier jour. Premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième jour. Ici, c'est le dixième jour. Voilà, le 12 janvier, c'est le dixième jour. À partir d'ici, à partir du 12, c'est votre intervalle de fécondité, c'est votre intervalle d'ovulation, c'est votre intervalle de fertilité. Donc, à partir de là, jusqu'au 25e jour, vous voyez, jusqu'au 25e jour, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e, 21e, 22e, 23e, 24e, 25e jour. Voilà. Donc, vous êtes ici du 12 janvier au 27 janvier. C'est votre intervalle, on va dire comme ça, de fécondité, votre intervalle de fertilité. Donc, le 10e jour après l'apparition des règles, voilà, le 10e jour après l'apparition des règles, au 25e jour, c'est eux, 25e jour après l'apparition des règles. Voilà comment on détermine son intervalle, on va dire comme ça, son intervalle d'ovulation, son intervalle de fécondité, son intervalle de fertilité. Vous revoyez ça tranquillement, je pense que ce n'est pas très compliqué, je l'ai expliqué avec des mots simples. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.